m'as obligé à craquer le disque dur, espèce d'enfoiré. Et je te jure que je savais pas que ton père était derrière tout ça. Tu le savais, mais t'en avais rien à foutre. Quoi encore? Oui, Arthur, c'est papa. Putain, mais je comprends pas, quoi. Il y a encore un trou dans la caisse, comme la semaine dernière. Il manque de l'argent dans la caisse toutes les semaines. C'est pas moi qui pique dans la caisse, c'est pas toi non plus. Qui ça peut être, à ton avis? Faut que j'y aille, je reviens. Tu en es où avec les actionnaires? C'est un peu plus compliqué que prévu. Tu réunis un conseil d'administration extraordinaire pour, disons, 2 jours. Un conseil extraordinaire, mais pourquoi faire? Nous allons leur demander un vote de confiance. Et pour ça, j'ai besoin de ton vote. Et si je ne vote pas pour toi, qu'est-ce qui se passe? Je coule. C'est assez tentant, je dois dire. Allô? Pinson intérim? Oui, je vous appelle pour la place d'électricien. Mais vous n'auriez rien d'autre dans le bâtiment ou dans le bricolage? Antoine? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as réfléchi? Bonsoir, Philippe. Tu n'as pas l'air content de me voir. Salut, Lancelot. T'as mon fric? Tiens, j'ai un acompte. Personne. Un client, il voulait boire un coup, je lui ai dit qu'on était fermé, voilà. Ah ouais. Et pour t'excuser, tu lui as filé du fric? Oh. De quoi tu te mêles, toi? C'est pas ton business, d'accord? Chris, Tara m'accuse de piquer dans la caisse, je peux pas faire comme si j'avais rien vu. C'est juste une petite embrouille que j'ai avec des mecs, je leur dois un peu de thunes, c'est tout, y a rien de grave, pas besoin de prendre cette tête, là. Lily. Lily. Tu ne dis rien à Tara, hein? Et puis pour la caisse, je m'en occupe, t'inquiète pas. Et si elle me pose des questions? Tara, je pense qu'elle a déjà assez de problèmes comme ça avec l'histoire de son père. C'est vraiment pas le moment de la faire flipper avec ça. Et je dirai rien. Merci. L'histoire, elle est réglée dans quelques jours. Chris. Mm-hmm. Je te couvre. Mais si ça dégénère, je veux rien savoir. Je veux pas d'embrouille. Salut. Alexia de Saint-Faille. Je croyais que tu ne voulais plus entendre parler de Carialis. Tu n'arrêtais pas de faire la une des journaux. Trafic d'armes, garde à vue, cavale. Bravo. Belle image pour la société. Enfin, on a quand même repris la situation en main. La crise est derrière nous. Merci. Marc, quand j'aurai besoin de toi, je te le ferai savoir. Pour l'instant, ton travail est terminé. Mais... je ne veux rien savoir et ferme la porte en sortant, s'il te plaît. Les vacances t'ont radouci, on dirait. J'ai appris que tu voulais convoquer un conseil d'administration extraordinaire. Exactement. J'ai décidé de remettre mon poste en jeu. Avec l'affaire du dégazage et ma mise en garde à vue, je veux savoir si les actionnaires sont toujours derrière moi, tu comprends? C'est un comportement responsable. Et une stratégie qui se défend. J'espère que je peux toujours compter sur ton soutien, Alexia. Nous avons vu quelques différences ces derniers temps. Mais je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour Carialis. Sans toi, la société qu'a créée mon grand-père n'existerait plus. Je voterai pour toi. À bientôt, Philippe. À bientôt, Alexia. Eh oui, je suis rentrée. Tu ne m'embrasses pas? Quelle ambiance, ça respire la joie de vivre ici. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Alfred, parle-moi. Réagis. Mais tu t'attendais à quoi? Au retour de l'enfant prodigue? Tu pars sans explication, tu ne réponds pas à mes appels, tu me laisses dans la panade. Alfred. Ah oui, j'oubliais. Tu as donné aussi procuration à Marc, preuve de ta confiance à mon égard. Marc Guérin, un con, chérie. Alexia. Tu m'as laissé tout seul.
pendant que Philippe était en tôle, et que tu t'envoyais en l'air, je ne sais où, avec je ne sais qui. Pendant ce temps-là, moi, j'ai géré la crise, tout seul, ici, j'ai géré la crise. Je sais, je suis fière de toi. Je m'en veux d'être partie, comme ça. Mais j'avais besoin de m'éloigner un peu, de faire le point. J'aurais dû te donner mes parts. Tu sais, quand on est loin, on fait vite le tri de ce qui est vraiment important. Je veux ressouder notre famille, Alfred. Je veux rendre Carialis au Safaya. Je veux que tu remplaces Philippe à la tête de Carialis. Quoi? Mais enfin, Philippe... Il vient de convoquer un conseil d'administration extraordinaire. Il faut en profiter, nous pouvons le mettre en minorité. Pose ta candidature et laisse-moi faire le reste. Mais enfin, c'est absurde, je n'ai pas les compétences. Tu me l'as assez dit et répété comme ça. Et puis je ne trahirai pas Philippe. Tu ne trahiras pas Philippe? Tu es toujours aussi naïf. J'imagine que c'est ça qui doit faire aussi partie de ton charme. Avec des mouillettes au beurre salé, deux tranches de bacon bien grillé, recto verso, un lapsang, un croissant avec de la confiture, un café, un jus de mangue. Bah quoi, pas le temps de petit déjeuner, excuse-moi, tu m'appelles à 9h du matin parce que t'as fait un cauchemar. J'ai rêvé d'Antoine toute la nuit. C'était horrible. Il y avait un kangourou géant avec la tête d'Antoine qui me poursuivait et qui me criait dessus. Il me demandait d'éteindre le gaz. Mais alors moi, je savais pas quoi faire, alors j'allais chercher des verres d'eau. Et là, il me criait tout le temps, t'as les aisselles mal propres, t'as les aisselles mal propres, t'as les... Les aisselles mal propres. Et oui, je sais, les aisselles mal propres, je sais pas, ça veut dire quelque... Voilà, c'est bizarre, non? C'est mignon que tu t'inquiètes pour Antoine comme ça. Hein? Ouais, il me fait mal au cœur, il se fait jeter par la femme qu'il aime. Il a sa baraque qui crame, il a plus d'argent, plus de maison, il est à la rue. Il a besoin de moi. Mais tu sais, Victor, il n'y a peut-être pas qu'Antoine qui a besoin de toi. Non mais Jade, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut l'aider Antoine. Oui, oui, bon bah d'accord, on va lui trouver un animal de compagnie. Voilà, dans les moments difficiles, ça aide toujours, les clodos ils ont toujours des kleps. Ou alors, on organise un camp scout. Objectif, reconstruire la maison d'Antoine en une semaine. Non mais, je suis sérieux là. Bah moi aussi, pardon. Du cash. Bah oui, du cash, quand t'es pauvre, ça remonte toujours le moral d'avoir du cash. Il va se payer une moto ou un voyage à Bali, comme ça, on ne verra plus. Du cash. Marche pour du cash. Top là. Aïe ! Putain ! Je croyais que tu détestais les préliminaires. Hermione ? Vous dérangez pas. Je suis venue récupérer mes dernières affaires. Non mais attends, tu te crois où, là ? J'en ai pour 2 minutes. Faites comme si j'étais pas là. Hermione, sors tout de suite de cette chambre. Une seconde. Alors, Hermione, Lorraine, Hermione. Ah, celle-ci, je te la laisse. Hein. Elle est un peu trop grande pour moi. Vous êtes mignons tous les deux. Ça au réveil. Ça mériterait une photo. Mais attends, pourquoi t'es revenue là? Je te croyais partie. Pour récupérer mes affaires, je te l'ai dit. Et accessoirement, voir ma grand-mère mourir. Je suis désolée, je savais pas. Les désolés, comme c'est mignon. Ça va, tu tiens le coup? Pardon? Tu dois être triste. Je devrais? Bah non, tu vois, c'était une salope. Je suis pas gentille. Bon, eh ben, c'est vachement nuit. Mais j'ai un milliard de trucs à faire et puis vous devez commencer à vous impatienter. À plus! Philippe, tu n'as jamais eu envie de tout plaquer? Non. Moi, si. Je vais partir, Philippe, j'arrête tout. Tu es sûr, Alfred? Oui. Je vais aller vivre avec mes chevaux. Je me sentirai plus utile là-bas. Je refuse catégoriquement. Tu es celui qui a le plus d'ancienneté dans cette boîte. Tu as une mémoire exceptionnelle. Plus la mémoire historique de Carialis. Et alors? Je ne vous sers à rien, je le vois bien. Ne dis pas ça, Alfred. Mais si... Tu as du recul, voire même une forme de distance sur les dossiers que nous n'avons pas, ni Alexia, ni moi-même. J'ai besoin de toi, Alfred. Tes chevaux attendront. Tu peux me dire pourquoi Alexia est revenue? Mais je te l'ai dit, elle était très inquiète pour Carialis. Elle aurait pu gérer la crise à distance, tu la connais aussi bien que moi. Il y a forcément autre chose. La mère d'Alexia est malade.
très malade. Putain, mais c'est fou! Quoi? Un pharmacien accusé d'empoisonner ses clients en mettant du cyanure dans des tubes de dentifrice. Il enterrait les gens dans son jardin. C'est glauque ton histoire là, Tara. Mais non, c'est un truc de fait divers, ça va être à Jade. Ah non, écoute, celle-là, énorme encore. Une femme retrouve les testicules de son mari dans son congélateur. Ouais, c'est bon là, putain, Tara. Des histoires sordides là dès le matin. Mais ça va, qu'est-ce que t'as en ce moment? T'es tout le temps de mauvaise humeur, j'en ai marre. Tiens, regarde, salade, endive, roquette, sans sauce. Il y a des gens comme ça, tu sens que c'est des bons vivants, hein, qui ont envie de se faire plaisir. Attends, écoute celle-là là. Une vieille morte depuis 3 mois, découverte, personne ne s'était inquiété de l'odeur. C'est dingue. Qu'est-ce que t'as? Mais c'est qui? Qui ça? Lui, qui ce mec? Excuse-moi, je reviens dans 2 minutes. Ce putain de fric là. Bonjour. Désirez voir quelque chose? Celui-là. Qu'est-ce que t'as pris de te barrer comme ça? Qu'est-ce que tu fous? J'ai eu un gros coup de fatigue. J'avais vraiment besoin de... Regarde là-bas. Bon, ça va là, dis-moi ce qui se passe. Ben, je viens de te le dire, non? J'avais besoin de faire une pause. Attends, je suis pas obligé de te prévenir quand je vais pisser non plus. T'as vu comment tu me parles? Quoi? Tu me parlais pas comme ça avant. T'es super agressif. Pardon. C'était qui ce mec en bas? C'était qui ce mec en bas? Laura! Ah non! Non, non, hé hey, oh! Je te parle! Viens, Cécile! Viens! Qu'est-ce que tu me caches? C'est toi qui pique dans la caisse? Lâche-moi! J'ai le droit de me poser la question, non? La question de quoi? Hein? Je fais ce que je veux. Ce fric, il est à moi et j'en fais ce que je veux. Je crois que je te prenais pas autant la tête quand tu picolais dans la réserve. Allez, tu dégages. Quoi? T'es viré. Tu m'expliques là? Je crois que je t'ai demandé de rien dire, je t'ai fait confiance, toi t'as tout balancé à Tara. Tu dégages. Mais je lui ai rien dit. Arrête de mentir. Et t'es en train de péter un plomb, Chris. C'est ça. Alors comme par hasard, hier tu me grilles, et puis aujourd'hui elle a tout compris. Mais dégage. Ok. Eh ben démerde-toi tout seul, ok? Rigole. Bon bah allez, vas-y. Pourquoi? Parce que t'es une fille. Putain, mais c'est dégueulasse, tu fais chier. Tiens, salut Antoine. Ça va? Salut. On vous a percé dans la rue. Vous allez bien? Ouais, ça va, super. Alors, je suis un peu naze, là, parce que j'ai passé une nuit dans un hôtel. Ils ont un plumard épouvantable. Mais sinon, ça va. Enfin, je suis surtout pressé de rentrer à Dijon. J'ai les trucs de boulot qui m'attendent là-bas. Alors, tout va bien. Vous vous cherchez? On va vous donner ça. Qu'est-ce que c'est? 5000 euros, cash. Et pourquoi? Bah quoi, c'est pour vous éclater un peu, quoi, vous amuser. Ouais, faire la fête. Ah, attendez les mots, mais c'est une grosse somme d'argent, ça. Mais non, c'est pas grand-chose. Ah non, je peux pas accepter. Mais pourquoi? Parce qu'on donne pas 5000 euros comme ça à des gens dans la rue, quoi. L'argent, ça se gagne. Moi, j'ai toujours gagné mon argent en travaillant, et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à faire la manche, hein. Allez, laisse tomber. Mais on veut vous aider, nous. Ouais, bah à ce moment-là, vous m'offrez un café. Et un double. Et puis si vous avez des copains qui ont des studios à retaper, bah vous leur filez vos numéros.
D'accord. Bon alors, on va se le taper, ce jus ? Allez. Allez, c'est parti. Mais vous avez pris sa température ? Il a toujours 39,5. Et son jetage, vous avez fait analyser son jetage ? Une simple gourme, pas une rhino. Bon, bah tant mieux. Non, mais c'est vrai qu'il a toujours été sensible des naseaux. Bon, laissez-le sous antibiotiques et déclarez-le non partant demain à Deauville. Très bien. Hein ? Pardon ? Oui, on se rappelle tout à l'heure. Merci. Hermione. C'est Duc d'Anjou ? Hein ? Oui, il a attrapé une angine. J'aurais pas dû le laisser chez Payron cet été, mais c'est une bactérie, rien. Ma chérie, je suis contente de te revoir. Moi aussi. Mais où étais-tu passée ? J'étais inquiet. J'étais loin d'ici. Là où je pensais que ça irait mieux, mais... ça ne servit à rien. Tu es malheureuse. Je suis passée voir Ethan ce matin. Il était avec Lorraine. J'ai l'impression que je ne me remettrai jamais, papa. Ça fait tellement mal de les voir ensemble. Je déteste Ethan, Lorraine, les Cipriani. Ma chérie, je t'en prie, ça n'en vaut pas la peine. Calme-toi. Il m'a trompée avec maman. Il m'a quittée pour ma propre sœur. C'est le mal incarné, comme tous les Cipriani. Comme Philippe. Ils nous ont tout pris. À toi comme à moi. Oui. 38,5. Bon, bah très bien. S'il continue à baisser comme ça, il sera sur pattes dans 2 ou 3 jours, mon pépère. Très bien. On se tient au courant, merci. Merci. T'as raison. Occupe-toi de tes chevaux. C'est tellement plus important que moi. Pardon ? Ça pourrait être de bas, c'est sûr. Mais pour ta famille... Mais Hermione, je sais que tu détestes les Cipriani, mais que veux-tu que je fasse ? Je ne peux pas les éliminer un par un, tout de même ! Non. Mais il suffirait que tu les mettes dehors et on n'entendrait plus jamais parler d'eux. Comment ça, dehors ? Tu vois pas ce qui se passe? Philippe est en train de passer le flambeau à son fils pour qu'il prenne sa place. Ils mettent la main sur Carialis et tu les laisses faire. Carialis appartient au Safai, pas au Cipriani. Hermione, on ne peut rien faire. Non. La vérité, c'est que tu ne veux rien faire. Ah, j'ai besoin de toi. Excuse-moi, j'avais pas vu. Non, ça t'avait pas vu. Ils sont pas assez gros, mais ça. Si, 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 si. J'aime bien faire la James Bond Girl avec toi. C'est excitant, en fait. J'en étais sûr. Antoine dort pas à l'hôtel. Mmh. Antoine est SDF. Je savais pas que t'étais là. Non, non, mais y a aucun problème. Viens, chérie, assieds-toi. Alors, figure-toi que ça tombe bien, parce que ton père voulait te parler, n'est-ce pas, Philippe ? Oui, oui. Voilà. Tu t'en es pas trop mal sorti ces derniers temps. En fait, ton père veut dire qu'il est très fier de toi. Tu as prouvé que tu étais capable de faire des choses. Alors, vraiment très fier de toi. Voilà. Je pense que tu pourrais être utile à Carialis. En fait, ce que ton père veut dire, c'est qu'il veut te proposer de travailler ici.
Un poste important. Hein. Catherine. Oui, pardon. J'aurais besoin de directeur des opérations. Bah oui, Amaury est en fuite, Tom est mort et donc... Catherine, tu peux nous laisser parler, s'il te plaît. Merci. Bon, écoute, papa, j'ai pas envie de traitement de faveur. Il est hors de question de parler de piston entre nous, ok? Si tu me proposes ce job, fais-le dans les règles. Tu me fais passer un entretien d'embauche en présence de ton DRH. Bien. Si c'est ce que tu veux, pourquoi pas? Je travaille ici, je veux que ce soit un résumé de compétences, pas à cause de mon nom. Absolument. Mais t'en as parlé à Alfred? Alfred? Bah oui, il a peut-être son mot à dire, non? Alfred n'a aucun poids dans cette boîte. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est moi le patron. Tu es tout pâle, qu'est-ce que tu as? Tu voulais que je me présente contre Philippe, au poste de directeur général de Carialis, n'est-ce pas? Je pense que ça serait une bonne chose pour Carialis. Dans ce cas-là, tu peux compter sur moi, je me présente. Alfred. Alfred.